Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Et comme vous le savez, cette troisième saison est consacrée à la Nouvelle-France. Alors ce soir, il sera question d'un personnage, mais peut-être aussi d'une famille, puisque ce personnage a été entouré de ses fils dans ses grands exploits et dans ses grandes expéditions. Ce personnage, c'est Pierre Gauthier de la Vérendry, qui est né aux Trois-Rivières en 1685 et qui est mort à Montréal en 1749. C'est un véritable natif de la Nouvelle-France. Son père était un Français, un militaire, qui était arrivé avec le régiment Carignan-Salière en 1665. Et sa mère, Marie Boucher, était la fille de Pierre Boucher, personnage déjà bien connu, qui avait été gouverneur des Trois-Rivières, et à qui on avait cédé une seigneurie, Boucherville, hein, à l'origine de Boucherville. Donc un véritable natif de la Nouvelle-France et quelqu'un d'une assez bonne famille, même s'il perd son... Son, il va perdre son père assez jeune, à quatre ans. Et donc, souvent, ces jeunes de bonne famille allaient tout naturellement vers l'armée. Il va devenir cadet en 1696. Il va participer à des raids en Nouvelle-Angleterre, dont certains sont, sont peu glorieux. On en reparlera. Et il va s'expatrier en 1707 en Europe. Il va aller combattre dans les armées du roi. Il va participer à la guerre de succession d'Espagne. Il va participer à une bataille célèbre en 1709 à laquelle, d'ailleurs, va participer l'ancêtre de Churchill en personne, John Churchill, le duc de Marlborough. Alors, une grande bataille. Il va être blessé grièvement. Il va être emprisonné. Et après quelques années, il va revenir ici. Il va revenir ici. Et là, pendant quelques années, il ne saura pas trop euh, se fixer. Il va aller vers l'agriculture, hériter d'une terre. Et en, en 1727, son destin est tracé. Il se décide, après avoir hésité, il se décide, il va partir à la découverte de cette fameuse mer de l'Ouest. Une mer de l'Ouest qui fait jaser, qui fait rêver les explorateurs depuis déjà une centaine d'années. Hein? Cette mer de l'Ouest qui permet de trouver cette fameuse route vers l'Orient que cherchait déjà Jacques Cartier en 1534-1535, qu'ont cherché tous les explorateurs. Donc, lui, il a cette ambition de la trouver, cette mère de l'Ouest. Et pour y arriver, il va se faire aider par ses quatre fils aînés, ses quatre plus, ses, ses quatre plus vieux qui vont participer avec lui à de nombreuses expéditions. Puisqu'à partir de 1727, il fait de nombreuses expéditions, il part plusieurs années, il revient, il repart, il fonde des forts un peu partout, dans des endroits de plus en plus reculés. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, en 1730, à l'ouest du lac supérieur, on ignore à peu près tout. On n'a aucune carte. C'est un peu le blackout. On a une vague idée qu'il existe un lac, le lac Winnipeg, qui pourrait mener à la mer de l'ouest, mais on n'en sait à peu près rien. Donc, quand on voit la carte des forts qui ont été fondés par lui, on est extrêmement impressionné. Mais pour y arriver, il a dû faire face à des défis immenses. Premier défi, le financement, on en reparlera. Ça a été un combat de tous les instants. Deuxième défi, faire tisser des liens avec les Amérindiens. C'était un monde, un univers complètement nouveau, étranger aux Français et aux Canadiens de la vallée du Saint-Laurent, que ce Midwest américain et que ces prairies canadiennes d'aujourd'hui. Et enfin, dernier défi, d'avoir toujours la confiance des autorités. Donc, c'est de, de tout ça qu'on va parler. C'est de, de ces défis et de ces expéditions qui vont l'emmener, qui vont mener son fils jusqu'aux Rocheuses et non pas lui. Et pour nous parler de ces expéditions, de ce personnage, de cette famille, eh bien, évidemment, on a invité, invité quelqu'un que vous connaissez bien, que vous appréciez sûrement beaucoup. C'est probablement l'anthropologue le plus connu du Québec. C'est un animateur de radio qui, euh, qui, a, qui a animé une série d'émissions sur la première chaîne de Radio-Canada. On le connaît pour ses, aussi pour ses livres, ses essais sur le monde contemporain, mais aussi sur les Amérindiens. Il a consacré des travaux sur les Amérindiens dont l'un de ces derniers, sur le peuple Inu, hein, il, il, a, il avait fait son mémoire de maîtrise sur, sur ce peuple. Il en a fait un livre qui, a, qui, qui circule très bien. Donc, euh, je vous demande d'accueillir chaleureusement l'anthropologue Serge Bouchard. Bienvenue. Merci. Vous voulez prendre place? Oui. Alors, Serge Bouchard, merci. D'avoir accepté notre invitation, figure marquante de notre histoire. Je vais vous retourner le merci. Euh, c'est un honneur d'être ici, puis euh, j'en reviens juste pas. Nous, on n'est pas très, très surpris, on doit vous le dire. C'est pas pour être flagorneur, mais on n'est pas très surpris de voir autant de gens. Euh, vous. Euh, Peut-être que c'est un peu à, grâce à vous si ces gens-là sont ici, puisque vous avez animé pendant plusieurs années à la radio des émissions, ces remarquables oubliés. Et vous en avez d'ailleurs tiré notamment, mais euh, entre autres, un livre, Ils ont couru l'Amérique. Et dans ce, d'ailleurs, dans Ils ont couru l'Amérique, on parle de, de, du personnage qui est à l'honneur ce soir. Le, de, de la famille Exactement. C'est vrai, le, les remarquables oubliés, ça a été, avant qu'on aborde le sujet, ça a été une de mes plus belles aventures de radio de ma carrière. Euh, J'ai été heureux. 74 personnages. Euh, et ça, c'est 12 ou 13 seulement coureurs de bois. Mm. Il paraît que l'autre livre est plus intéressant aussi. Sur les femmes Sur les femmes. <laughs> Elles ont fait l'Amérique. Euh, ça, c'est 14, 13, 14 femmes. Euh, on ne s'attend pas à rencontrer des femmes comme ça dans l'histoire. Mais évidemment, euh, c'est un des péchés de l'histoire et des historiens d'avoir oublié que les femmes représentaient la moitié du monde. Mmh. En effet, un, un grave oubli. Alors, vous savez, le reproche, moi quand j'ai commencé à étudier à l'université en histoire, on disait, les grands personnages, là, notre rôle à nous, les chercheurs, c'est de déboulonner des oui. mythes, de déconstruire, euh, de, les, de les faire débarquer de leur piédestal. Qu'est-ce qu que vous répondez à ceux qui, qui pourraient vous dire « Mais vous êtes en train de refaire ce que faisaient les curés d'autrefois, des agiographies. Oui. Vous, faites des, des, vous mythifiez ces grands... » Qu'est-ce que vous répondez à ces... -ce j'ai une admiration naïve pour ces personnages que j'ai traités. Mais ils ont été maltraités. C'est donc on les reprend. Euh, en fait, j'ai fait le chemin inverse. ça j'ai jamais été tenté de faire Frontenac, par exemple, ou de faire... Même Champlain, dont on s'est bien occupé, dont y des grands savants, les et des livres, tout ça. Pas pour le déboulonner, pas pour le reboulonner. Ça a été fait, ça a été fait. Mais quand même, on a des choses à dire sur Champlain, on aurait des choses à dire sur Frontenac. Euh, moi, hein, mais, mais je suis très humain, je ne suis pas un historien, c'est un humain. Moi. Puis il y en a que j'aime, il y en a que je pas. <laughs> Vous parlez des personnages, marche... ou des historiens? Des, des, des... Non, 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 des personnages. Non, non, on s'entend bien. Des personnages. Par oh, exemple, oui. vous, avez, vous aviez Biz euh, oui. ici, sur Iberville. Oui. Biz, il aime beaucoup Cadillac parce que Cadillac ben, fait des trois, puis il y a des choses comme ça. Moi, j'ai toujours haï Cadillac pour moi. C'est vrai qu'il est assez louche pour comme ça. Toutes sortes de choses. Oui, que... Non, mais, mais par contre, c'est un personnage fascinant, intéressant. Oui. On pourrait en faire un long, une longue approche. Euh, il s'appelait François Lomay. Euh, c'était un magouilleux, c'était un mafieux. En fait, un... enfin, il y avait bien des défauts, mais ça le rend sympathique aussi. Alors que, euh, bon, dans le cas de, de l'Averandry, ouais. euh, quand, quand est-ce que vous avez, euh, vous l'avez découvert comment vous, comment vous êtes tombé sur, le, sur ce personnage et sur ben, cette famille C'est l'ensemble des, des, des recherches sur l'Ouest américain, euh, mm. sur la pénétration francophone dans l'Amérique. Ben, vous savez que mes remarquables oubliés, sans faire exprès, je me suis rendu compte que l'Amérique, euh, ben, je me suis rendu compte, c'est une longue découverte sur 30, 40, 30 ans, 40 ans, là, euh, que finalement, l'Amérique avait été explorée par les francophones. Euh, c'est assez curieux, quand même. Mm. Les Américains ne s'en rappellent certainement pas. Mm. Euh, les Canadiens-Anglais non plus, curieusement. Mais les pires ennemis, ça a été nous-mêmes, parce avons glorifié beaucoup, travaillé beaucoup, creusé beaucoup sur l'Acadie, sur la vallée du Saint-Laurent, à juste titre et à, et à bon droit. Mais l'Ouest américain, le, le, le fameux empire des Grands Lacs, les Grands Lacs, le Wisconsin, le Minnesota, les Dakotas, le Manitoba et jusqu'au Wyoming. Puis là, ben, je, je, dans les remarquables oubliés, d'ailleurs, je n'avais jamais fini, on a, je, je, je me suis bousculé jusqu'en Oregon. Ou euh, en Oregon, où la fondation de l'Oregon, ben, c'est des, des Canadiens français qui qu l'ont fait. Euh, c'est des découvertes, on va de découverte en découverte. Bien sûr, les laverandries, on a voulu faire le récit à la radio. Alors, ça a commencé par quelque chose de très, très. Tu sais, les laverandries, le mot est connu. Il y a un boulevard wow, à Verdun. C'est vrai. Il, il, il y a un parc, il y a un parc qu'on traverse. Tu te dis, hey, j'ai traversé le parc laverandrie, il y a assez plates, il n'y a rien, on a dormi tout ça. C'est une vaste, une vaste étendue forestière. C'est une vaste étendue forestière. Mais mm. c'est qui? Les gens vont vous dire, ben, ouais, je pense que c'est un explorateur. Je pense que c'est montagne rocheuse. Ouais, ouais. Montagne rocheuse, explorateur, mais sans plus. Sans vrai, plus. Vrai. Ouais. On connaît plus les tenants et aboutissants de Donaldo et de... <rires> <rires> ouais, vous en avez un peu contre ce genre de, de retour sur... Euh... Ben, moi, j'aurais aimé voir au, au cinéma une grande saga, la saga des vérandrie euh, En fait, c'est l'histoire fa mm. de la famille Gautier. Oui. Tous les Gautiers du Québec peuvent s'enorgueillir de ce fait. C'est la famille Gautier. Il s'appelle Gautier. Oui. Euh, René Gautier, vous l'avez mentionné, euh, René Gautier, il vient de la région d'Angers, en France. Et assez curieusement, à Angers, à l'époque de, de Gautier, de René Gautier, on est à l'époque de. Il vient au monde à la mort de Champlain, le vieux Gautier, euh, 35 hum. Alors, autour d'Angers, il y a plein de fermes et les noms des fermes, les fermes s'appellent Varennes, Dutremblay, Deboumois et La Véranderie. Alors, c'est en prenant les fermes autour d'Angers qu'ils vont amener ces noms qui vont devenir familiers au Québec et au Canada français, parce qu'ils vont changer leur nom. Ils changent leur nom, disons-le tout de suite. René Gauthier, va, euh, à sa mort, va s'appeler René Gauthier de La Véranderie, une des fermes d'Angers. De, c'est qu'ils cherchaient la particule. C'est décolonisé. Ils ont la France, ils voient la France gros comme une grande lumière, un soleil. Euh, ils, et puis, ils sont méprisés. On, on se fait traiter de créoles. C'est la première génération des Canadiens. Mm. Mm. Alors, eux autres, ils voulaient la particule, l'honneur, la gloire de la France. La particule. Mm. Mm. Il y en a plein de monde comme ça qui cherchait à s'appeler de quelque chose. Mm. Mais en réalité, c'est la famille Gauthier, René Gauthier. Euh, il est euh, soldat et puis il va mourir pauvre comme Job. Et là, c'est curieux. L'historien peut réfléchir, ou l'humain d'aujourd'hui peut réfléchir. Ces gens-là avaient des terres. Mm -hmm. Et ils ont des seigneuries. Mm -hmm. Lui, il a la seigneurie de Varennes. Il a une seigneurie, il décide de l'appeler Varennes. Il y a une autre seigneurie euh, en, au nord de Trois-Rivières, la Gabelle, pour faire de, de la traite avec les Indiens. Il y a une maison à Montréal. Il y a des terres. Il a la, il a, mais il est pauvre comme Job. Il est pauvre, il n'a pas d'argent. La traite des fourrures ne lui rapporte pas d'argent, il ne réussit pas à avoir de sensitaire. il ne réussit pas à être. Il va mourir jeune, bourré de dettes. Mm. Et puis il avait marié, quand même, il faut le mentionner, Marie Boucher, qui va marier, elle avait 12 ans. Mm. Euh, donc il l'a pris jeune. Mm. Lui, il meurt jeune, 50-quelques années. Elle, 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 va rester avec un héritage de dettes terribles et des enfants. Dans les enfants, il y, a, il, va, il y a Pierre. Mm. Il y en a d'autres, là, mais il y a Pierre. Celui, notre personnage principal, Pierre de la vérandry, qui en réalité s'appelle Pierre Gauthier. Lui, il est intéressant. On a commencé à raconter son histoire. Il est, faf, il est fascinant. Il est, il est ici, il ne veut pas devenir. Il va aller au chimie. Il a une éducation rudimentaire. Il va au séminaire de Québec, ouais. mais il ne finit pas ses études. Mm. Donc, on peut présumer qu'il sait écrire, qu'il sait lire, mais, mm. mais ce n'est pas poussé. Là. Non. Il va essayer d'être cadet de la marine parce qu'effectivement, il est fasciné par les honneurs, par les uniformes, par la, il fait la guerre. Alors, quand il va à Deerfield, il participe, euh, mm. ce n'est pas glorieux. Non. Peut-être juste euh, d en dire un petit mot sur ces raids rapidement. Euh... C'était la grande époque, 1690-1710, oui. c'est la grande époque du... marche de, de de, on, on faisait des kidnappings. C'est ça. C'était mmh. du développement économique par le kidnapping. Les Français de la vallée de Saint-Laurent, de Québec et de Montréal, utilisaient les abénakis qui étaient des grands spécialistes, les abénakis qui se trouvent là, justement, dans les territoires de, 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 vers l'est, entre la Nouvelle-Angleterre. Aujourd'hui, on y va pour les vacances. Là, à Wells. Wells il y a des places comme ça. Ogunquit, ouais. Ogunquit. Là. Mais dans ce temps-là, il n'y allait pas pour des vacances. Il, 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 traversait là, il traversait la forêt des Abenakis. Il allait saisir des Anglais, des hommes, des femmes et des enfants, des gens de métier, etc. Il les ramenait chez les Abenakis, puis là, il les négociait avec les Français, qui les achetaient, mais qui les prenaient, puis qui demandaient rançon. C'est une façon de développer le pays. <laughs> euh, oui, avec, mais avec des, des beaux récits, il y a des belles histoires, notamment celle de Esther Will que vous racontez dans, dans le livre. C'est une femme incroyable qui a été justement kidnappée enfant, mais qui est devenue supérieure des Ursulines, qui n'a pas voulu retourner en Nouvelle-Angleterre. Euh, L'ancêtre des Faneufs a été un de. Était Mathieu Faneuf. Elle n'était fan, pas, fans pas fans la seule. Euh, oui. Esther Mais ça c'est une grande histoire. C'est ça. Oui, oui. On, Parce qu'elle va, va devenir oui, catholique. C'est ça. Sœur. Oui, oui. Elle était abénakise aussi. Elle adorait être à, chez les abénakis, à parler à abénakis. Donc, vous voyez une petite protestante anglophone habillée en gris. Une enfant aussi. Une enfant, une enfant. Ça. Qui, qui devient une abénakise, oui. habillée avec des plumes, puis dans la forêt, oui. avec la, puis avec la spiritu, spiritualité algonquienne, qui devient française, canadienne, euh, française, à Québec. Et qui lui devient Ursuline oui. et, qui devient, et qui, à la conquête, va négocier oui. avec oui. Euh, les Anglais, ah oui. puisqu'elle est anglaise elle-même. Oui, non, non c'est ça, ça. Ça nous éloigne right. de la Virandrie. Mais il a participé donc à un de ses raids. À Deerfield, c'était même C'est qu'on faisait ça. Oui, mais ça tournait aussi en massacre. Hein, mais euh... Deerfield, ça a été le plus, le plus scandaleux parce ouais, que là, on en a ramassé du monde, on a ouais. tué du monde, beaucoup ouais. de monde. Alors, il y avait des Français, il y avait ouais. des soldats de la marine, ouais. il y avait ouais. des Indiens alliés aux Français qui faisaient ça. Ouais. Et beaucoup, on, ce sera une autre conversation, mais tout ça était centralisé à Cahawaque, Crookdonaga, ouais. Saint-Louis, ouais. chez les Iroquois du Saut qui étaient ouais. les plus grands courtiers en esclaves autour de Montréal. C'est très intéressant. <laughs> là, euh, Pierre Laviandry décide d'aller en France en 1707. Pour être un plus vrai soldat, ouais. être dans de plus vrais combats. C'est mmh. quand même incroyable. Mmh. Alors, il s'en va en France, on va se battre, puis là, il veut la gloire. Il, il se fait blesser parce que la guerre, c'est réel, puis il se fait poignarder, il y a des balles, tout ça, puis il, il, il va guérir. Puis quand il guérit, il pense qu'il va avoir des titres. Effectivement, il est le lieutenant. Mais lieutenant, le titre ne vient pas avec l'argent. Donc, il est désargenté, jeune, non marié en France. Il décide de revenir au Canada. Il revient au Canada dépité, pas content. Et toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il va réclamer dans des lettres, il va réclamer une pension d'ancien combattant à la France. C'est une obsession qu'il avait. Quand il revient, il va marier sa, la, la fille qui... Est, il y avait un œil sur une fille à Trois-Rivières. C'est une belle famille, ça. Ça, c'est intéressant. C'est un autre ouais. lien intéressant. Les Dandenot. Les, les fameux Dandenot. Oui. S'appelle Marianne Dandenot du Sablé. Et vous savez que le fondateur, là je m'en vais loin, là, le fondateur de Chicago, il s'appelle Jean-Baptiste Point du Sable. C'est un mulâtre, fille d'un Canadien français de Saint-Louis au Missouri, qui s'appelait Dandenot du Sablé. Originaire de Trois-Rivières. Alors, tu tu viens fou quand tu fais l'histoire. <laughs> Ça devient intéressant. Si tu t'en vas à Chicago, tu as ouais. quelque chose à dire. Ouais. À Chicago. En effet. Et... et donc, il a marié cette, cette, cette oui. femme, et là, il va avoir des enfants. Il va devenir cultivateur. Il y a des terres. Il s'installe à aux Vaches. Ouais. Et pendant longtemps, 15 ans, il va imaginer que c'est un cultivateur. Mais il n'est pas bon. Parce que pour être cultivateur, il faut aimer la terre. Lui il n'aime pas la terre. Il a sa famille, puis il est pauvre, puis il a été pauvre, puis il sait que son père était pauvre. Fait il était courié de la pauvreté. Alors, il va quitter parce que son frère, Jean-René, fait la traite des fourrures au lac supérieur. Il a le monopole. Alors là, il laisse sa femme, il laisse ses, ses enfants. Il s'en va à l'aventure il y a 40 ans. Il pas jeune. Non? 40 ans, il s'en va au lac supérieur. Il ne connaît rien. Mais là, il va connaître quelque chose. Il va faire ses classes au lac Népigon, sur l'île Mitipikoten et à Kamenistikouya. Pour ceux qui connaissent... Et là, là c'est des cours de géographie. Hein? C'est l'Amérique. Là, il faut oui. connaître oui. les grands lacs. Kamenistikouya, c'est Thunder Bay aujourd'hui. Mm. Mais Kamenistikouya, c'est le centre névralgique des explorations. C'est le centre névralgique de la traite des fourrures dans la partie nord-ouest. Puis aller au fond du lac supérieur à cette époque-là, c'était toute une aventure. Le lac supérieur, c'est un océan, c'est très il y a en la canot. Mm. C'est épouvantable, c'est loin. Mm. T'es rendu à Thunder Bay, où il y a. Et là, lui, son frère, va quitter et il va prendre euh, les rênes euh, des traites de fourrure dans les grands lacs. Vous l'avez dit tantôt, ils sont en face de l'inconnu. Quand ils regardent le soleil se coucher, c'est une terre incognita. Ils ne savent pas ce qu'il y a devant. Ils ne savent pas comment y aller non plus. Euh, ils essaient par caménistique. Oui, mais c'est pas possible. Les portages sont trop difficiles. Les gars sont écœurés. C'est pas facile quand tu dis tu as 10 hommes et tu dis on s'en va vers l'Ouest. faut que les hommes t'obéissent. Mm. Tu, sais, tu dis à 10 canotiers, on prend ce portage-là, puis là, le chef des canotiers vient droit et dit on n'est pas syndiqué, mais je te le dis, mais on ne le prend pas. <laughs> on n'y va pas. C'est ce qui va arriver à la oui, oui. Ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Alors là, il y a l'idée. De, de devenir riche dans la traite des fourrures. Mais au même moment, il va avoir une commission royale de France, la découverte de la mer de l'Ouest. Donc, c'est une, une déclaration vous êtes l'explorateur officiel de la France pour la découverte de la mer de l'Ouest. Ça vient avec une belle déclaration, mais pas une scène. <laughs> Autrement dit, le ministre français, Maurepas, repas, mm. lui va lui dire Tu découvres la mer de l'Ouest mais je te donne pas un sou. Il faut que tu t'auto-finances. C'est ça, par la fourrure. Ce qui est la traîtrise répétée de la France là, à l'égard de l'Amérique. Je veux l'Amérique, mais je ne veux pas te payer pour. C'est épouvantable de dire un truc ouais. comme ça. Euh, 40 ans plus tard, Mary Ruther, Lewis et Clark ils vont traverser l'Amérique à la solde du gouvernement américain. Ils sont tous payés. Mais la vianderie n'avait pas une scène. Alors On lui dit, tu vas découvrir la mer de l'Ouest. Un petit détail. Tu au fond de Takamine-Situkuya. Et à cette époque, il y avait un, un conflit entre les tenants de la, du Missouri et les tenants de la rivière Saskatchewan oui, Il y avait deux, deux avait deux voies de pénétration. Deux voies. C'était une discussion entre spécialistes. Puis on disait, il y a peut-être deux voies pour y arriver. Pour parler comme à l'époque, oui. ce serait comme tu t'en vas de la Chine et tu t'en vas à michilimackinac. michilimackinac, c'est sur Sainte-Marie aujourd'hui, en gros. Mm. Rendu à mes chili tu tenais conseil. Ou je continue vers l'ouest et le nord-ouest, par le lac Supérieur, ou je pique vers le sud, vers le Wisconsin, l'Illinois, vers le Wisconsin, vers le Mississippi, le Missouri. Mm. Le Missouri s'en va vers l'ouest. Mais à cette époque, on ne sait rien. Non, on ne sait pas. Vas-tu prendre le Missouri ou vas-tu prendre l'inconnu euh, Sask euh, Saskatchewan? Et, et, et juste pour faire une petite parenthèse, au fond, au 17e siècle, au même endroit, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de prendre le Mississippi et aller vers le sud. Mais à ce moment-là, on ne sait pas que ça va vers le sud. On pense que peut-être le, Mississippi... le Mississippi va aller vers le sud, mais c'est le Missouri, la clé. Oui, c'est ça. Le Missouri, qui, lui, mmh. prend sa, sa fourche mmh. euh, à Saint-Louis. Mais le père Charlevoix, bien connu dans l'histoire, mmh. qui était en fait un espion français, euh, qui faisait le trajet de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Québec pour dire aux Français qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Lui, va dire il faut prendre la route du Missouri. Mais le père inconnu, un missionnaire, le père de Gonor, a rencontré la véranderie, a mis puis il dit il faut prendre la route du Nord-Ouest. C'est la route du Nord-Ouest. La Missouri, ça ne donnera rien, parce qu'il y a des Sioux, il y a un paquet de Sioux, puis les Sioux, ne sont pas commodes. Puis il y avait ce qu'on appelait une compagnie des Sioux à Montréal. Euh, qui, était, qui opérait dans cette région, des traiteurs de fourrures, ils ça la Compagnie française des Sioux. Ils disent, on ne pourra pas y arriver par, le, par là. Alors, c'est là que la Léandrie décide de pénétrer par le lac supérieur. Alors, là, il fait venir ses fils. Trois. Il y en a quatre, il en fait venir trois. Il y en a un qui est trop jeune. Est ça. Il, y en a, il en fait venir trois. Trois durs. Euh, Jean-Baptiste est un solide. D'abord, il parle algonquin. Ça, c'est un avantage extraordinaire. Euh, c'est un gars de bois, c'est un coureur de bois, c'est un modèle de coureur de bois. Pierre aussi, puis François aussi. Donc, c'est trois solides. Et son neveu, Christophe de la Jameray, qui est le frère de Marguerite de la sieur Sieur d'Ouville. Mm. Alors, lui, Christophe, c'est l'ami de, de Jean-Baptiste. Et l'avéranderie va établir un modèle où lui, c'est le père, il y a 40 quelques années, il, con il se considère arthritique et, Fatigué, Et il envoie ses fils. En fait, il envoie toujours ses fils à l'avant. Il va rester à Kamini il va envoyer ses fils. Ah ouais, il y a un autre détail important. J'ai dans mes notes, là, j'ai pas encore pris mes notes, là, mais ils sont là. Euh, mais je me souviens de, de mémoire. Il va consulter longuement avec les Ojibwés. Ses consultants sont des Ojibwés. L'histoire les connaît. C'est Oshaga, petit crapaud. Mmh. Euh, Petit jour, mm. des gens comme ça. Puis qu'avec du charbon, dessine dessinent des cartes. Ils dessinent des cartes. Il y a une pile de cartes. Et les Ojibwés lui disent, c'est les sauteurs Ojibwés, ils lui mm. disent faut que tu ailles au grand portage. Tu ne passes pas par Camille va au grand portage. Il s'en va au grand portage et ses fils vont traverser. Et là, ça va être la, gran... la première des premières expéditions. Ils vont aller au lac à la pluie. Oui, c'est ça. Parce que si vous regardez une carte, là, il y a le lac supérieur et après, il y a, il y a quelques lacs qui, qui, qui mènent au lac Winnipeg. C'est des distances incroyables. N'importe qui les fait, même aujourd'hui en automobile, l'Ontario, c'est interminable. Mm. C'est une province qui est couchée. Hein. Elle est couchée, elle est faite sur le long. Je veux dire que tu en as fait un grand bout, puis tu penses que tu l'as fait. C'est là que ça commence. De Thunder Bay à Winnipeg, tous les camionneurs savent ça, c'est long, longtemps. D'ailleurs, la route transcanadienne, aujourd'hui, suit exactement la route de la véranderie. C'est-à-dire, tu pars au Grand Portage, tu t'en vas jusqu'au lac à la pluie, qui est un immense lac, le hein? ouais. lac à la pluie. Ils vont faire un fort, le premier fort. Mm. Mais ils, ils appellent ça des forts. Moi, ça me fait rire. C'est des ouais. postes de traite. C'est ça. C'est des postes de traite en bois rond. Ils appellent ça des forts. Bien sûr, c'est des forts. Ils vont l'appeler le fort Saint-Pierre. Mm. Là, ils vont aller au lac des Bois, péniblement. Et au lac des Bois, ils vont faire le fort Saint-Charles. Mmh. Et du lac des Bois, tu peux déboucher à la rivière Rouge. Et là, ils vont faire un troisième poste, qu'ils vont appeler le fort Obséquieusement, le fort Maurepas. Oui, du nom du ministre. Moi, je n'aurais pas appelé ça de Maurepas. <laughs> quand on <laughs> sait, arrête, quand on sait euh, en effet... Non, non, il a arrêté de se parce que... Il y avait une énorme tension entre la Vérendry et Maurepas. Puis, puis la véranderie ne va pas gagner. Mais Maurepas, lui, euh, il voulait la mer de l'Ouest. Il avait dit je ferai des fourrures. Mais l'autre faisait des fourrures, puis l'autre lui reprochait de faire des fourrures. Enfin, c'était un bio total. Mm. Ce n'était pas juste pour la véranderie. Mm. Mais euh, ça va être dur cette épée. La traversée de l'Ontario va être très, très dure. Mm. D'abord. Il va perdre Christophe Clajamaret, il va mourir d'épuisement. Alors, c'est ça. Attardons-nous à l'année 1736, puisque… Oui, là, c'est dur. Il, il, il fait une expédition, vous dites au début, il est uniquement au lac supérieur avec son frère. Ensuite, il est nommé un peu responsable Des, pour découvrir pour cette mer de l'Ouest. Et là, il s'organise une vraie expédition. Et là, arrive cette année 1736, c'est une nouvelle expédition et ça, ça se passe très mal. Et pour comprendre pourquoi ça se passe mal, je pense qu'il faut faire un petit pas de côté. Puis il faut que vous nous expliquiez. On est avec quelqu'un tout désigné pour ça. Parce que nous, là, on est, nous qui s'intéressons un peu à la Nouvelle-France, on est, on, on est assez familier avec les Hurons, les Algonquiens, les Iroquois et toutes les, 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 les composantes de, 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 de ces civilisations. Mais là, on arrive dans l'Ouest. Il y en a d'autres. Il y a des rivalités. C'est extrêmement complexe. Et la Vérandrie et ses équipes doivent composer avec ces gens-là. Pour eux aussi, c'est relativement nouveau. C'est l'inconnu, puis c'est la diversité totale, et c'est un panier de crabes aussi. Ben justement, vous utilisez le terme panier de crabes. Ben c'est très dynamique. Il y a des sioux, il y a des cris, il y a des cris des bois, puis il y a des cris de l'abbé du son, James, que, les, que la Vérandrie appelle les mots Alors il y a les mots il y a des cris des bois, il y a des assiniboines, il y a des sauteux. Et tout ça ensemble, ça ne s'aime pas. Et là, quand tu traverses ça, tu reviens dans l'histoire comme Champlain, avec qui tu parles. Puis si tu es ami avec lui, tu vas être ennemi avec lui. Puis c'est ça. Puis là, il rentre dans cet imbroglio-là. Et, et la André essaie de décoder ça, mais malheureusement, euh, Pierre, le personnage central, n'est pas très bon là-dedans parce qu'il ne parle pas les langues amérindiennes. Puis il ne s'intéresse pas aux Amérindiens. Ses fils, oui. Mmh. Et pas lui. Lui, il s'intéresse aux fourrures et à l'argent. Et, et, et quand on parle des, des expéditions, où on a le choix Où c'est un explorateur, ou c'est un commerçant de fourrures. Ça a été beaucoup plus un commerçant. Parce qu'il faut qu'il se finance. Alors, mmh. il est toujours en train de parler aux Indiens, de parler à ses fils. Puis, il y a le souci de l'approvisionnement. Mmh. C'est comme un général qui est rendu aux confins du. Quand tu es rendu au lac des Bois, puis tu attends ta marchandise de la Chine. Euh, Faites un que peu Tu t'es un peu anxieux. Puis tu as dit à l'Indien qu'il allait l'avoir, oui. son truc. C'est comme amené un catalogue Eaton, puis, <laughs> puis, puis pas livré à marchandises. À un moment donné, euh, il n'y a, a rien fait, en stock. Quelqu'un qui n'est pas content. Donc, puis les Indiens sont ah. en guerre les uns contre les autres. Alors, il y a beaucoup de violence. C'est très violent. Donc, violence de la nature, violence des distances, violence des gens hmm. autour. Et c'est comme ça que. Ben, lui, la Jammeret va mourir d'épuisement à la oui. rivière Rouge. Oui. C'est autre chose. Il est malade. Oui. Les fils vont aller le chercher. Ils essaient de le ramener. Et il va mourir à la rivière Roseau, qui est dans le Dakota, à la frontière des, du Minnesota. Il va mourir. Il ne reviendra pas. Mm. Jean-Baptiste, lui, va, va partir du lac des Bois pour revenir à Michilimackinac, pour aller se chicaner avec les gens de Michilimackinac, pour laisser passer la marchandise vers l'ouest, qui n'arrive pas. Donc le père envoie son fils là-bas avec 19 coureurs de bois et un missionnaire. On ne les reverra plus jamais. Ils vont se faire tuer par les Assiniboines. On ne sait pas. En fait, les Indiens n'ont jamais dit qu'ils l'avaient fait. Ils vont se faire tuer par les Indiens, bien sûr, par les Autochtones, <coughs> à l'île qui aujourd'hui s'appelle encore l'île au massacre, sur le lac à la pluie. Et, et ils vont avoir la douleur de voir que les, les, les Autochtones vont refaire un rituel de démembrement, c'est-à-dire ils vont trouver les têtes sur les pics, puis euh, ils vont trouver le père, euh, le missionnaire mmh. euh, faussement euh, mort mais à genoux. Mmh. Euh, un genre de caricature générale qui est faite, c'est tra tragique. Alors là, Pierre de la vient de perdre son fils, son neveu, et beaucoup de violence, et il ne réussit pas dans ses entreprises. Mais il va persister dans, en dans ses entreprises. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir un des personnages les plus intéressants de cette saga, le jeune fils, le plus jeune. Son quatrième. Son quatrième. Alors il y en a perdu un qui fait venir le quatrième. Il y a pas, à cette époque, il n'y avait pas de psychologue post-traumatique. <laughs> En effet. Alors, il aurait pu faire une dépression, là, lui. Il fait venir Louis-Joseph. Et Louis-Joseph va être le, le plus dynamique et le plus rusé du groupe. Et là, lui il se réorganise, il va dire, oui, on va y aller vers l'ouest, ils vont partir du lac des bois, vont retourner. Au poste Fort Mourpas, qui est le plus loin à ce moment-là, qui est à la Rivière Rouge aujourd'hui, Saint-Boniface Winnipeg. Ils sont, ils sont arrivés au lac Winnipeg. Ils appelaient, oui. ils appelaient le, le, le mm. commandant de Gronquin, Winnipeg. Winnipeg. Mm. Et euh, de là, ben, ils hésitent encore une fois. Est-ce qu'on va au nord, est-ce qu'on va au sud? Euh, ils vont faire les deux. Ils vont aller au nord, puis ils vont aller jusqu'à Le Pas. Aujourd'hui, ça s'appelle Le Pas, au, man au nord Manitoba. Et là, tu peux tomber. Euh, dans le bassin de la rivière Saskatchewan. Et la rivière Saskatchewan, si tu la suis, elle va t'amener jusqu'au pied des Rocheuses. Alors, qu'elle euh, prend sa source dans les Rocheuses. Alors, ça, mais, mais, mais ils ne vont pas y aller. Ils vont arrêter au port. Ils vont faire le plus lointain poste de traite, Fort Pascoya. Mmh. Je dis tout a pris par cœur matin. <laughs> euh, Fort Pascoya. Oui, c'est impressionnant. Fort Pascoya. Et, et ils vont aller vers le sud ils vont rejoindre la rivière Capelle. Euh, qui est la dernière rivière canadienne à la frontière aujourd'hui américaine, américano-canadienne, la rivière Capel, euh, au pays des Assiniboines, ils vont faire le fort de la Reine. C'est le plus loin où ira Pierre de la. Non, c'est vrai qu'il va aller jusqu'à les... chez... chez les pandas, mais c'est à partir du fort de la Reine. Mm -hmm. Le fort de la Reine regarde les États-Unis, le port regarde le nord, mm -hmm. parce regarde le nord. Bon, ils ont... Donc ils ont la cartographie du Manitoba à ce moment-là. Le Manitoba aujourd'hui, tel qu'on le connaît. Ils ont plein de décisions à prendre. Ils sont loin, là. Ils sont très loin. Ils sont isolés. La, la troupe des labyrinthes, c'est à peu près 50 hommes. Et là, ils ont des décisions à prendre. Est-ce qu'on pousse plus loin? Ils vont pousser plus loin, vers au Fort la Reine, Et là, ils vont s'en aller vers, croyez-le ou non, vers le Missouri. Ils vont retrouver le Missouri en traversant ce qui est aujourd'hui la frontière. Bon, aujourd'hui, on parle en termes de frontières, mais ils vont, ils vont se retrouver au Dakota. Ils arrivent au Dakota. Là, ils, ils connaissent les Cris, les Sauteux, les Assiniboines, les Sioux. Ils arrivent avec une population mystérieuse dont ils ont, ils ont entendu parler, les Mandans. Ils arrivent chez les Mandans. On membres. surnomme les Indiens blancs. La fameuse légende, tout le monde racontait. mais ça, tu sais, les humains sont... On est tous de la même famille. Tu sais, la vieille histoire de la tribu égarée d'Israël. Euh, il y a quelqu'un qui avait inventé ça, que parmi les Indiens, la, tri les, la tribu égarée d'Israël, les Juifs avaient une population cachée chez les populations nord-américaines. Mais ça datait aussi des, 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 des fantasmes et des inventions imaginaires de Donnacona, qui n'arrêtaient pas et qui avait été dire euh, en France à l'époque de Jacques Cartier. Là, fait. Oh, à l'intérieur, vous savez, il y a des royaumes, il y a des blancs, il y a des gens habillés comme vous, ils ont des culottes, ils ont des buissons euh, euh, blancs, puis euh, ils ont de la barbe, puis tout ça. Il y a même, là, il y avait raconté toute sortes d'affaires, il y avait des nains, euh, des gens sans anus, des, des choses comme ça. Mais ces explorateurs-là, ils s'attendaient à trouver des, des choses comme ça aussi. Tu ne sais, tu sais pas sur quoi tu vas tomber? Et, et les mandans sont devenus, euh, qui est une population siose hein? les mandans sont devenus l'archétype de la tribu égarée et des Blancs, etc. C'était etc. un peuple très important, les mandans, euh, qui se tenaient à la Grande Fourche, qui vivait à la Grande Fourche euh, du Missouri, de Grand Fork. Donc, tout près de la frontière canadienne, ils vivaient là, c'est un peuple sédentaire de Sioux, mais riche de bisons, riche d'agriculture, prospère de commerce, euh, et qui vivait en face d'un autre peuple Sioux, les Idatsa, que les Français vont appeler les gros ventres. Et pourquoi je dis ça? C'est que ces populations vont devenir extrêmement importantes chez les Canadiens, Français et les coureurs de bois, parce que c'est là que les, de, les premiers coureurs de bois de l'Ouest, du Far West, vont aller s'établir, chez les Mandans. Il paraît que les mandants étaient d'une beauté remarquable, les femmes étaient remarquables, puis les gars. C'était pas étranger. De l'expédition. Euh... Non, non. non. Jusqu'à des expéditions de Thompson, ils parlent des mandants. Mm. Que les coureurs de bois, quand ils s'approchaient des... des mandants, et des mandanes surtout, ils étaient. Ils... On pouvait pas les arrêter. Ils partaient tout à courir. Euh... <laughs> Trois jours avant d'arriver, ils étaient déjà en marathon. <laughs> euh... Ça donnait le dernier, le dernier sursaut d'énergie Donc, c'est les premiers qui vont voir euh, les mandanes, c'est les gens de la véranderie. Maintenant, c'est un dénommé Amiotte et un dénommé Al lalonde pour les familles Amiotte et les familles Lalonde. C'est des coureurs de bois dont on aurait retenu le nom, euh, avec Pierre, qui les premiers vont arriver. Le père va arriver après il arrivait toujours après lui, euh, Pierre. Et, et il va aller chez trois semaines chez les Mandans seulement. Il ne prend pas de notes, il ne dit rien, ça ne l'intéresse pas. Puis il revient au fort Reine et euh, il va laisser ses fils aller. Et c'est à partir de là, chez les Mandans, que les, les fils de la véranderie vont faire leurs grandes expéditions mythiques. Mmh. Parce que là, on est, on est rendu dans le sérieux. Là, c'est les ligues majeures. Louis-Joseph va partir avec François vers l'ouest. À partir des, du Dakota, il s'en va vers l'ouest à l'inconnu. Il suit des rivières, il suit ci, il appelle ça la rivière Roche jaune. C'est quand même incroyable. Mm. La rivière Roche jaune va s'appeler la rivière Roche jaune pendant 100 ans, <laughs> avant de devenir Yellowstone. Mm. Tout était en français. Mm. Il va trouver une rivière, il va l'appeler, qui va trouver longue, qui est interminable, qui ne se passe rien, Tout ça il va l'appeler la rivière plate. Mm. Euh, ils trouvent toutes sortes de choses, ils nomment les Indiens, c'est d'une beauté, c'est un poème. Ils arrivent, oh, et là, on a rencontré la tribu des beaux hommes. Et là, on a rencontré la tribu des petites cerises. C'est tous des noms qui ont été perdus. Et puis, ils voyagent, et ils sont à cheval. Et à partir de, de chez les Mandanes, ils, sont, ils ont eu des chevaux, parce que les Mandanes et les Idates sont des chevaux, les fameux chevaux des Espagnols qui ont remonté. Alors, ils sont à cheval, ils se promènent dans les plaines, puis ils s'en vont, puis là, à un moment donné, ils sont au-delà de la rivière Roche jaune, puis Louis-Joseph dit Et on a vu les montagnes euh, luisantes, les montagnes bleues, les rocheuses. Nous ne pourrons pas les franchir, on ne pourra pas y aller, parce que les guerres entre les nations indiennes sont trop intenses. Nos guides nous disent que si on fait un pas de plus, on est mort. Mais c'est la même chose qui est arrivée à Louis-Joliette quand il descend le Mississippi. À un moment il y a quelqu'un qui a dit « oui. Non, je pense que tu devrais retourner. Ah, ouais. ben, » C'est la même chose, on le dit oui. à Louis-Joseph. Alors, Louis-Joseph et François sont… Au pied des Rocheuses. Au pied des Rocheuses. On est en janvier 1740. C'est ça. Puis c'est un grand moment, c'est une grande expédition. Puis ils vont revenir, saint et sauf, chez les euh, Mandans. Les Mandans vont offrir l'hospitalité aux Français, vont devenir les amis des Français. Ils veulent que les Français restent. Quand même incroyable de faire une offre comme ça en ces années-là. Mmh. Et il y a des coureurs de bois qui décident de rester là, qui en sont jamais ressortis. Mmh. Et ça, c'est l'origine des Franco-métis de cette région, parce que je vais en parler un petit peu plus loin. Les Mandants auront un destin tragique. C'est un, un destin. Ils vont avoir un virus, ils vont être malades. Et en 1875 ans plus tard, ils sont morts. Et ils, sont, ils, vont, ils vont disparaître de la surface de la terre. Maintenant, un, euh, Pierre fait une autre expédition à partir des mandants. C'est Pierre qui est le plus à l'aise chez les mandants. Lui, il fait une autre expédition de fou et ça, on, a, on peut se manger les souliers, il n'en est rien resté. Est, tout le monde est de mauvaise humeur quand on regarde nos coureurs de bois et nos explorateurs francophones. On aurait dû leur donner une claque pour qu'ils écrivent. Ou les faire suivre par quelqu'un. Et les faire suivre, faire des scribes. Oui, des scribes. Comme on a vu avec la salle, il y, y a des gens qui accompagnent. Qui accompagnent. Et qui font, les, euh, qui font ouais. le mythe sur place. Ouais. <laughs> comme ouais. les, non, Oui, le c'est vrai. Les ouais, Américains ouais. faisaient ça. Ouais, ouais. Ils faisaient des tableaux. Les Américains ils peignaient, ils écrivaient l'histoire. Les mensonges étaient écrits à chaud, à chaud. Mm. Mais Pierre dit rien. Mais on a des, on a fouillé, on a fouillé, on a, fouillé, on a essayé de voir. Euh, puis, même dans ce qui est écrit, puis les obscures thèses et hypothèses, il se serait rendu au Colorado. Mais bon, donc savoir, le Colorado n'existe pas, le mot n'existe pas, il n'y a rien qui existe, il n'y a pas de carte. Mais il était parti pendant un an dans ce vaste inconnu. Et il revient. Ces gens-là cherchaient fortune, ils ne cherchaient pas. Euh, à découvrir à pour, les mœurs des Amérindiens, à, des à découvrir des Amérindiens oui. ou, à, ou à dire après j'ai été un grand héros puis ah. des choses comme ça. Ils cherchait de l'argent, cherchait fortune, ils cherchait des fourrures, des alliances pour du commerce, puis etc. Mais Pierre a fait un grand grand voyage qui nous reste inconnu. C'est un gros trou dans l'histoire des. Puis même le voyage au Wyoming est un, un demeure. On n'a pas grand chose. que, que Louis-Joseph aurait pu nous, nous nous donner, mais ils reviennent. Et de plus en plus, le père a des soucis avec la France. Mon rapport. Oui, parce que là, son fils lui dit, j'ai été jusqu'au pied de ces montagnes. On n'a pas encore trouvé la mer de l'Ouest. C'est ça. Donc, tout ce beau monde revient dans la vallée du Saint-Laurent. On raconte ce qui s'est passé. Et ce que vous dites bien dans un texte, vous dites, il n'y a pas eu l'écho, le, le retentissement qu'il aurait pu s'attendre. Pourquoi? Bien... D'abord, c'est un, un échec. L'affaire de la C'est vu à l'époque comme un échec. Ouais. C'est pas un échec. On, a, on devrait le glorifier, on devrait en parler. Mm. On devrait. Mais pour eux, c'est un échec. Ils n'ont pas trouvé la mer de l'Ouest. Mm. Mais maintenant, pourquoi ils ne l'ont pas trouvé? Ce n'est pas leur faute. Regardez une carte aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sait bien, on a des satellites. Mais à l'époque, à partir de Versailles, mm. ils ne savaient pas comme, que c'était large comme ça, l'Amérique du Nord. Puis qu'il y avait Rocheuse entre les... Le Pacifique, puis, puis qu'il y avait des plaines, puis qu'il y avait des rocheuses, puis ensuite, c'était compliqué. Ils ne savaient pas ça, eux autres. Les autres, « Trouve-moi un maire de l'Ouest. » C'est une commande. <laughs> mais non, ça ne marche pas de même. Mm. Donc, c'est un échec pour Versailles. Maurepas va maudire la famille la elle va faire mauvaise réputation aux Canadiens. D'ailleurs, il voulait le remplacer par un Français. Vous voyez le conflit à l'époque entre mm. les Canadiens et les Français, là. Mm. Euh, ah, maudit Canadien, Puis, on va mettre un vrai euh, explorateur, un Français dans, dans le coup. Ça ne se fera pas, ça ne se fera jamais, mais c'était un peu des conflits de ce type. Et M la Véranderie lui-même transportait l'échec c'est-à-dire, mm -hmm. il n'est pas riche, mm -hmm. il est endetté. On ne l'a pas dit, mais acte, d'autres acteurs importants sont les Montréalais actionnaires de la compagnie de la Véranderie mm -hmm. Louis Hamelin, M. Gamelin, les frères Nolan. ont mis de l'argent. Là, les années passent, les années passent, ça engouffe de l'argent, ça ne rapporte pas de profit. Fait qu'ils vont mettre euh, la Vyrendry en échec, oui, C'est ça, il, euh, il, on, en 1745, il va démissionner. Oui. Et, et, et lorsqu'il revient, non seulement il apprend que sa femme est décédée oui. euh, pendant un de ses longs voyages, mais en plus, il apprend qu'on lui intente un procès, que c'est justement les actionnaires de cette compagnie. Et donc, ça, ça finit pour lui un peu à première vue, mais là, on va, on va avancer dans notre histoire, mais. Il y a l'impression que ça finit un peu en queue de poisson. Alors pour bon, lui, oui. Il y a eu des. Mais là, il y a, il y a comme un retournement de la situation. C'est que le fameux ministre, secrétaire de la marine, qui, qui, qui a toujours pensé que finalement la véranderie t'es juste là, pour... t'es pas fiable, t'es juste là pour faire du commerce. Puis mmh. euh, il n'était pas capable de trouver cette mer de l'Ouest. Eh bien, il est disgracié. Oui. Il est écarté. Et là, il y a un vent qui tourne. Mais malheureusement. Euh... Ben, c'est-à-dire qu'au moment où la véranderie va mourir, ben, ben, on va annoncer la nouvelle, là, il est mort. Euh, <rire> oui. <rire> oui. Mais le revirement, mais juste avant de mourir, ça non. allait bien. Ah oui, dans le repartait. partait. Non, lui, il repas est reparti. Il y avait le mauvais est destitué. Le climat euh, en France est meilleur. Et, on et reconnaît pas. aussi la valeur de ce qu'il a fait. Et son projet à ce moment-là est d'aller à Le pas. Il a compris, que c'était la Saskatchewan. C'était la pénétration par la, 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 rivière, le fleuve, la rivière Saskatchewan. Euh, C'est un projet d'envergure. Il veut se rendre aux Rocheuses, il veut. Euh, et là, ben, il va se retrouver quoi, à Edmonton, puis à l'ouest, puis il va rencontrer, puis il va aller à, finir par aller à Banff, j'imagine. Mais il ne le fera pas parce qu'il meurt, tout simplement. Il meurt d'apoplexie, je vois, il meurt à Montréal. Dans sa maison. Alors ouais. mais il, il est était, même pas dans sa maison d'ailleurs. Il était comme requinqué. Mon repas était plus là. Il avait il avait il avait reçu la, la croix de Saint Louis, la plus haute distinction. Donc il était comme reconnu. Puis à ce moment-là, il était reconnu. Puis ça c'est bien pour lui. Mais il, il voyait pas que la bataille était perdue par ailleurs. Ses fils l'ont mm -hmm. plus vu. Parce que mm -hmm. ses fils ont pris la relève de la routine mm -hmm. de, du commerce des fourrures dans l'Ouest. Donc ils veulent euh, le père est revenu est fatigué là, mais les autres Mm -hmm. Ils veulent rouler. Mm -hmm. Sauf qu'on est à la fin de la Nouvelle-France. Ouais. Et là, la corruption est à son comble. Les droits de traite sont monopolisés par les aristocrates de Québec. Euh, on fait des misères aux, aux fils de la véranderie. Les fils de la véranderie vont devoir se retirer lentement de, de, de la profession. De toute façon, la guerre de sept ans s'annonce. Mm -hmm. Et là, Pierre, le fils, va s'engager dans la guerre de sept ans pour, euh, à la guerre. Je crois que François le fait aussi. Mais quand, lorsque les Anglais à la conquête, Louis Joseph décide de retourner en France. Il s'en va en France. Mm. Et là, la tragédie dans notre film, si on faisait un grand film, si on était en train de suivre une série télévisée euh, à la télévision. Euh, L'on verrait l'épisode terrible. Mm. Louis-Joseph tourne en France. Il est sur le bateau qui s'appelle l'Auguste. Ils sont partis de Québec en retard. Ils ont eu des soucis dans le bas du fleuve. Et là, ils sont rendus au large de l'île du Cap-Breton, puis il y a une tempête maudite. On est en novembre 1761. Le bateau coule. Tout le monde meurt. Alors, le découvreur des rocheuses, celui qui a fait cette grand périple, Louis-Joseph, qui se faisait appeler Louis-Joseph de la Beyrandry, meurt au large euh, du Cap Breton dans le naufrage de l'Auguste, qui est une grande période, euh, ça, ouais. qui, a, qui, a, qui a été un choc dans, dans l'histoire de la colonie. Euh, et il y a eu sept survivants seulement. 170 morts, sept survivants. Et parmi les survivants, un personnage historique, ami des Labyrandries, ami de Pierre de la Beyrandry, euh, La Corne Saint-Luc. Le fameux gars qui a nagé, puis qui est arrivé à la grève, puis qui, qui a séché ses vêtements, puis qui a essayé de survivre, puis tout ça. Puis là, il est parti. Imaginez-vous en 1761, au début de l'hiver. Il va partir en décembre. Il va partir d'où il est au Cap-Breton à pied jusqu'à Québec. Ouais. C'est pas possible. C'est pas. C'est raconté dans Les Anciens Canadiens de Philippe Robert ouais. de Gaspé. Ça, donc, ça a tellement les gens à l'époque que c'est resté dans les mémoires. Ça a été raconté un certain Et puis, c'est beau parce que c'est les Micmacs. Ouais. C'est les Micmacs qui le, prennent en, qui le prennent puis qui disent on va te montrer, le, on va t'accompagner en raquette, on va t'accompagner jusqu'à jusqu dans le bas du fleuve. Et là, c'est toutes les grandes routes de contact entre l'Acadie mm. et euh, Québec. Mm. Par la voie des portages et des grands portages, il faut l'imaginer avec les grands portages, là s'en va en raquette puis il arrive. C ces gens-là avaient un physique inexplicable, une résistance physique qu'on qu ne peut pas expliquer. Et ce Lacorne de Saint-Luc la, avait fait était de la compagnie des Sioux. Lui c'est un grand spécialiste de l'Illinois et du Wisconsin. Il avait fait la traite des fourrures au Wisconsin. Il connaissait personnellement l'Anglade, le Métis qui avec Pontiac se battait contre les Anglais. Tout se joint dans l'histoire. C'est d'une beauté absolue. Alors dans le film qu'on regarderait, on verra apparaître Pontiac avec l'Anglade. Luc de Lacorne, Pierre de la Véranderie, Louis-Joseph, et tout ça. Et ça deviendrait des personnages dans notre culture, dans notre mémoire, puis on en parlerait autant euh, que District 31. Oh, oh. Alors, vous avez parlé du destin tragique de Louis Joseph de la Vérandrie, chevalier. Il hein? avait le oui. titre même de chevalier. Qu'est-il arrivé des autres fils Alors, on sait que le premier, Jean-Baptiste, est décédé et tragiquement aussi en 1736. Mais qu'est-il arrivé de François et de Pierre, le fils le Pierre est... va mourir à la guerre. Mais dans les combats qui vont mener durant la guerre de sept ans, il va se battre un peu partout, Pierre, avec euh, la corne. Ils vont se battre un peu partout. Euh, mais lui, il va mourir en Acadie. Euh, on sait qu'il est mort de, de fièvre. On n'a pas de détails sur sa mort, mais il est mort de fièvre, donc prématurément de, de la guerre. Le seul qui va, ce, qui va devenir vieux, c'est quand même incroyable, le seul qui va devenir vieux, c'est François. Il va mourir à 79 ans, à Montréal. Et au moment où il meurt, plus personne ne se rappelle des laverandries. Vous avez, oui absolument. pas croyable. Vous avez raison de le dire. Y a, on, a, on a cette grosse. C'est la dernière grosse biographie qui a été écrite sur la, la famille Lavirandry à date de 1968. On est dû, hein, oui. pour une nouvelle. Mais bon, il y a beaucoup d'informations. Et il raconte ce monsieur Champagne qu'on euh, avait perdu la trace des Lavirandry jusqu'à ce qu'un Français décide de euh, regrouper des documents d'archives, oui. un dénommé Pierre Marguerite, il a publié ça en six volumes, donc des archives euh, qu'il a trouvées dans le département de la marine euh, qui, qui concernait l'Amérique du Nord. Euh. Et donc, on a retrouvé là des documents sur les lavérandries. Et c'est donc 100 ans après presque la mort du dernier que la famille est ressurgie dans, nos, dans les mémoires des Canadiens français, que cette famille est réapparue, qu'on qu s'est mis à se dire, mais, mais quel destin incroyable, on doit beaucoup à tous ces gens-là. Bien, il y avait un vice de forme. On était une colonie. Alors, tous nos archives, toutes nos archives mmh. et nos papiers, notre mémoire écrite ou en tout cas, se, trou se trouvaient en France. Et il s'est trouvé un blocage en France qui bloquait un peu nos chercheurs à nous. Mmh. Et euh, on mmh. voulait en France être le, le, le grand chef d'orchestre des, des archives coloniales de la Nouvelle-France. Mmh. Ça nous a beaucoup nué dans, dans la construction de nos personnages historiques. Alors, vous avez raison de dire, monsieur, ça, ça a débloqué. Les historiens l'ont repris, on l'a revu, mais on n'a jamais redonné la vraie mesure non. de cette incroyable saga des laverandries, des gautiers de véranderie dans l'Ouest canadien et dans l'Ouest américain aussi, qui sont à l'origine euh, du, du déblocage des, des Canadiens français vers l'Ouest. C'est-à-dire qu'on oublie toujours, on est dans les années 1740, là, 35, 40, 1745, c'est la fin du régime français. Mais au moment de la conquête, il y a des centaines et des centaines d'hommes, de jeunes hommes, qui ont repris la piste des lavéranneries, des coureurs de bois, et qui sont repartis au-delà du lac supérieur, et qui sont partis chez les Mandanes, et qui sont partis chez les Idatsa qui sont partis chez les Sioux qui sont, et qui sont allés dans l'Ouest et, et on ne les a jamais arrêtés, ils ont été partout, partout. Euh, J'ai fait des recherches là, sur, on, sur les 1700. un peu plus tard, un peu plus tard, 1770, la présence des Canadiens français chez les Hidatsa et les Mandanes, ceux qui sont restés et qui sont devenus des commerçants de fourrure et des explorateurs. Et on peut les suivre à la trace, les Ménards, les Charbonneaux, euh, bon, la liste, les pelliciers, les carbonaux, Et là, ça devient une passion, ça devient. C'est la véranderie qui a ouvert tout ça. Mm. Parce que l'histoire n'est pas faite, l'histoire des 50 engagés. Non, en effet. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est vrai. Euh, Est-ce qu'ils sont restés? Est-ce qu'ils sont venus? Ceux qui... Il y a ceux qui sont morts, etc. Alors, ce sont des chantiers ouverts. En fait, moi, je considère que. Le... Euh, la véranderie, c'est comme le reste. C'est un chantier ouvert pour les historiens du futur, pour les jeunes les jeunes hommes et les jeunes femmes qui voudraient aujourd'hui aller en histoire et ouvrir des chantiers. Il mmh. faut revisiter tout ça. Il faut revisiter les archives. Il faut reconstituer l'histoire et, et refaire cette trame et voir des personnages nouveaux parce que la véranderie, c'est un personnage qui est nouveau parce qu'on a retenu le nom. On s'est même trompé hein, officiellement quand on a mis une plaque dans le Vieux-Montréal. Hum, Donc, le, vrai. le chapitre se termine là-dessus ouais. en disant, Ici est mort là, Pierre de la laverrenderie, euh, découvreur des Rocheuses. Premièrement, il n'est pas mort là. C'est la maison de François, je pense. Hum. Euh, et ce n'est pas lui qui a découvert les Rocheuses, c'est Louis-Joseph et François. Hum. Et il n'y a, a pas découvert les Rocheuses. Le plus loin qui a été, c'est au Dakota, chez les Mandanes, ce qui est déjà beaucoup. Mais moi, je pense que quand j'étais petit à l'école, on m'a parlé de la vérendrie en dix minutes. Mm. Puis quand on regarde sur Internet, on voit un personnage explorateur. Tu sais, c'est comme si on regardes Lambert clos comme si. Euh, avec son chien, là, tu sais, puis... <laughs> Mais moi, Lambert clos il voudrait une série télévisée lui aussi, là. Puis le chien aussi. <laughs> oui. Parce que vous me le disiez justement avant qu'on commence, il y a encore des trous, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas. Beaucoup. Il y a, des il y a beaucoup plus d'inconnus dans la vérandrie que de connus. Euh, les voyages de Pierre, les véritables circuits, le véritable itinéraire de, de, de Louis-Joseph, mais les relations des uns avec les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis avec, puis la bataille qu'ils ont menée contre les Anglais, la corruption de, 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 de Bigot. C'est toute l'histoire. C'est la grande histoire qui rejoint la petite histoire, puis dans le détail de la chose. Et moi, ce que j'aime quand on regarde ces personnages-là, c'est de mesurer l'authentique envergure de leur exploit extrême. Mm. C'est-à-dire, se retrouver à l'ouest du lac Supérieur en ces années-là, mm. parmi ces Autochtones, dans ces distances, dans une forêt. Il faut connaître le lac à la pluie pour savoir mm. que. Tu même aujourd'hui, là, euh, tu sais, c'est aller à Winnipeg, là, mm. en, en canot, et ça va être le reste de l'histoire de l'Amérique va être comme ça. C'est les laverandries qui, qui ont ouvert la voie. Nous n'avons pas le réflexe culturel, simplement, de faire un mythe de ces gens, quitte à mentir tout au long. En tout cas, Serge Bouchard, on peut compter sur vous pour nous rappeler cette mémoire. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Vous souhaitez en connaître davantage sur ces figures marquantes? Inscrivez-vous au cours HIS 4000 de l'Université TELUC, un cours consacré à la Nouvelle-France.